Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Meet and Greet. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Cyril Gindre. Alors Cyril, tu travailles un petit peu en sous-marin dans le monde du sport, mais on commence à te connaître un petit peu plus quand même. Est-ce qu'on peut te définir comme à l'origine physiologiste du sport? Est-ce que c'est à peu près ça? Oui, ça correspond. Spécialiste du mouvement, que ce soit sur la partie mécanique, biomécanique, comment on bouge dans l'espace, ou dans la partie plus physiologique, c'est comment notre corps produit puis utilise l'énergie. Très bien. Alors, je vais te laisser te présenter, peut-être juste en deux mots aussi déjà ton cursus, on va dire, sportif, hein, parce que je crois que tu as été coureur de demi-fond, essentiellement, si c'est bien ça. Donc, tu viens de l'athlétisme. Alors, en deux mots, peut-être ce que tu as fait en tant qu'athlète, et puis aussi tout ton parcours professionnel, si tu peux nous le résumer, et puis dire d'où tu es parti, ce que tu as fait et où tu en es arrivé aujourd'hui. Voilà, donc, alors merci. En tant que sportif, j'ai toujours été plutôt un sportif polyvalent parce que j'aimais le jeu. Donc si on me demandait de faire du handball, j'aimais bien faire du handball. Si on me demandait de faire du basket, j'aimais bien. Puis il s'avère après que tu as des qualités intrinsèques qui t'amènent à être un peu plus performant dans certains domaines. Mais je ne me suis jamais considéré comme un spécialiste. Alors il s'avérait que quand je courais sur une piste pour faire du 800 mètres ou du 1500 mètres, par exemple, ça allait un petit peu mieux que quand j'essayais de marquer des paniers. Mais je prenais autant de plaisir à marquer des paniers au basket qu'à courir sur une piste d'athlétisme. Et puis ça a été l'essentiel de ma carrière sportive, donc c'est-à-dire d'être plutôt coureur de demi-fond. Conjointement, depuis très jeune, peut-être j'ai commencé à l'âge de 16 ans à entraîner d'autres athlètes. Puis après, j'ai fait mes études qui alliaient à la fois le versant de coaching et puis à la fois le versant de recherche dans le monde du sport. Et puis la recherche dans le sport, ben, ça mène à un diplôme qui s'appelle un doctorat, donc un PhD en sciences du mouvement. Et à ce titre, j'ai dirigé pendant des années un institut de médecine du sport. C'est un endroit où il y avait 30, 40 personnes, depuis le chirurgien jusqu'au podologue, qui travaillaient en équipe autour du sportif. Donc on avait peut-être 5 ou 6 000 sportifs en suivi. C'est de cet endroit qu'est parti le suivi biologique longitudinal, qui est devenu maintenant le passeport sanguin. Tu as participé à mettre au point, si j'ai bien compris. Voilà, donc là on est maintenant, nous le labo, on est à Aigle, on a 500 mètres de l'endroit qui utilise des connaissances qu'on a fait immerger depuis cet institut de médecine du sport. Et dans le même temps, ben, comme je ne dors pas beaucoup la nuit, ben, j'ai créé Vol d'Haleine, qui est une structure dans laquelle on ferait ce qu'on pourrait faire à l'université, à la fois de la recherche, de la formation et puis du coaching, avec un peu moins d'ennuis administratifs qu'à l'université. Très bien, super. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, nous, on s'est rencontrés, je vais dire comment on s'est rencontrés. J'ai eu, évidemment, c'est les aléas du sport professionnel ou semi-professionnel, des bobos un petit peu partout. Et puis, j'avais des problèmes de dos aussi. Et mon physio m'a dit, mais essaie d'aller voir Cyril Gendrel, il est vraiment, il pourrait peut-être t'aider. C'est comme ça qu'on s'est vu. Et je dis toujours, quand je parle de toi, que tu m'as un peu sauvé la vie parce que je ne savais plus comment faire, je ne pouvais plus bouger. Et en quelques séances, tu m'as un petit peu réparé mon dos. Donc, à la base, tu es préparateur physique aussi, parce que tu fais aussi beaucoup de préparation physique, c'est ce que tu as fait longtemps. Mais de plus en plus d'athlètes viennent te voir aussi quand ils ont des blessures, qui ne savent plus comment soigner. Et tu les aides énormément aussi à ce niveau-là. Donc, c'est un petit peu un tout, et c'est aussi ce que tu fais à Vol d'Haleine. Oui, c'est ça. À partir du moment où on analyse la manière dont on bouge, on analyse les forces en mouvement, eh bien, il y a deux grands registres. Il y a le registre pour aller vers de la performance, donc de l'efficience, puis il y a le registre pour essayer de comprendre comment les forces en mouvement peuvent venir impacter, donc blesser une personne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment dans le monde du sport, on a autant de gens qui viennent nous voir pour leur performance que de gens qui viennent nous voir parce qu'ils sont bloqués dans leur processus d'apprentissage, d'entraînement, parce qu'ils ont des blessures. Et d'ailleurs, sur les professionnels qu'on forme, à peu près chaque année, on forme 1500 professionnels. Et maintenant, il y a même plus de professionnels de la santé, des physios, des podologues, des médecins du sport, que de professionnels du sport dans le panel de professionnels qu'on vient former. Extrêmement intéressant. Venons peut-être maintenant sur le point qui est particulier, vraiment particulier à ta méthode.
tu as développé à travers les années, enfin, tu as observé surtout les athlètes, et pas seulement les athlètes, mais aussi monsieur tout le monde, la façon de bouger, la façon de marcher. Et puis, tu es enfin, on peut dire le précurseur de ce qu'on appelle ou de ce que tu appelles les préférences motrices. Est-ce que tu peux essayer, je sais que c'est très vaste, mais si tu peux essayer en quelques minutes d'expliquer à quelqu'un qui n'est pas du tout du domaine, qui n'a jamais entendu ce concept, de quoi il s'agit? Alors, le point initial, c'est que initialement, dans le mouvement comme ailleurs, on pensait qu'il y avait une bonne manière de faire, c'est-à-dire une espèce de vérité qui serait dans le monde, et puis il s'agirait à chaque personne qui bouge de venir s'approcher de cette vérité. Donc, le bon coup droit au tennis, la bonne manière de courir sur l'avant-pied, par exemple. Donc ça, c'est nous ce qu'on appelle une pensée d'ingénieur. Il y aurait une vérité, à un moment donné, on calcule les forces, et puis chaque personne doit venir rentrer dans cette vérité. Les préférences motrices, c'est quoi? C'est le fait de se dire que fait notre système nerveux. Notre système nerveux, il part de quelque chose qui est existant. C'est notre corps, c'est nos muscles qui fonctionnent d'une certaine manière, puis parfois plus dans le rebond, parfois plus dans la poussée. Puis il essaie de faire la meilleure équipe possible. Et dans ces meilleures équipes possibles, eh bien, il y en a plusieurs. D'ailleurs, on peut être le FC Barcelone et puis on peut être Paris Saint-Germain et avoir deux styles de jeu tout à fait différents et tout à fait bons. Et donc, c'est ce qu'on a vu émerger, c'est que vous prenez 10 athlètes de haut niveau dans n'importe quelle discipline et vous regardez comment ils se comportent et vous allez toujours voir des singularités. Donc, les préférences motrices, c'est des manières particulières, personnelles de bouger qui vont m'amener à la meilleure version de moi-même. Mais la meilleure version d'Edberg, c'est peut-être pas la meilleure version de je sais pas moi, Max Willander, par exemple, hein, pour reprendre des gens de notre époque, je suis désolé hein, pour les plus jeunes. Très bien. Et puis, est-ce qu'on peut, juste pour que les gens, les néophytes comprennent, on a par exemple, si tu commences ton analyse quand tu prends une personne ou un athlète et que tu essaies de définir son profil, tu commences par regarder la façon dont elle marche. C'est ça. Et donc, il y a une marche par le haut et une marche par le bas. Est-ce que tu peux dire deux mots là-dessus et comment ça influence la façon de bouger? Initialement, on pense que n'importe quel athlète qui est dans son sport, il cherche d'abord la performance. Mais si tu veux, il y a une pyramide des besoins. Et avant de chercher la performance, je dois m'assurer que je ne suis pas rentré dans un problème de survie, donc d'équilibre. Donc, il s'avère que dans la manière dont on se met en posture, puis après dont on se meut, dans la manière dont on bouge, eh bien, il y a plusieurs types de manières de faire. Alors, une grande manière de faire dans le plan principal, qui est le plan arrière-avant, eh bien, c'est qu'il y a des gens, ils aiment bien mettre leur poids sur l'avant. Donc, tu vois que si je mets mes épaules sur l'avant, si je mets ma tête en avant, ça va induire un déséquilibre et puis qu'il va falloir que je rattrape. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la marche par le haut. J'ai créé un déséquilibre par le haut. Et en général, si je fais ça et que le système n'est pas bête, c'est qu'il faut toujours sauver le soldat cerveau. Et donc, pour sauver le soldat cerveau, eh bien, si le cerveau n'est pas bête et qu'il accepte de se laisser enlever, emmener vers l'avant, eh bien, c'est qu'il compte sur des muscles qui sont des muscles situés à l'arrière. Et donc, il part dans une marche qu'on appelle vers le haut, dans une motricité qu'on appelle aérienne. Alors, pourquoi on l'appelle aérienne? Parce qu'on comprend bien que si la tête est partie devant, après, il faut rattraper et que le rattrapage se fait dans un système de rebond. À l'inverse, il y a ceux qui font ce qu'on appelle de la marche vers le bas, par le bas, qui correspond à la motricité qu'on appelle terrienne. Eh bien, eux, ils ont trouvé que c'était plutôt cool de garder la tête en arrière. Si j'ai gardé la tête en arrière et puis que je veux avancer, ben, je n'ai pas tellement d'autre choix que de venir pousser sur mes jambes, d'avancer mon bassin. Donc, c'est bien le bas du corps qui avance en premier. Et puis, comme pour tâtonner, savoir ce qui se passe, puis après, la tête, elle va suivre. Et c'est une motricité terrienne parce que si vous faites ça, vous êtes obligé de fléchir sur vos appuis. Donc, vous êtes obligé d'avoir votre centre de gravité qui est plus bas. Donc, vous avez une marche et vous avez une course qui est plus rasante, donc plus au contact de la terre. Donc, derrière le principe des préférences motrices, il y a le système initial de survie. D'accord. Donc, on a travaillé un petit peu ensemble. On a d'ailleurs ouvert une école de tennis ensemble, dans laquelle on collabore, hein, le Swiss Elite Tennis Institute. Mais, donc, on a travaillé ensemble sur pas mal de points. On a fait des formations aussi pour des joueurs de tennis qui reprennent les préférences motrices. On a vu aussi que ça influence énormément de choses. Donc, on en a parlé de la marche par le bas ou par le haut, mais que cette façon de fonctionner influence
la façon dont les mains se tournent, la façon dont on bouge les mains, la façon dont le haut du corps tourne. Après, il y a une façon de tourner, il y a des associés dissociés, des gens qui tournent les épaules sans tourner le bassin, il y en a qui n'arrivent pas, le tour doit tourner ensemble. Et tout ça, tout cet ensemble de choses influence la façon dont un athlète ou une personne bouge, donc la façon dont il ou elle doit s'entraîner. Alors oui, c'est, si tu veux, c'est à partir du moment où on dit qu'on a des systèmes de survie qui se différencient, qu'on a des mouvements, parce qu'on reste un animal qui doit survivre, c'est-à-dire agir de manière efficace dans un environnement. Il n'y a pas meilleure définition pour un sportif. En fait, il a un environnement qui est incertain, il faut qu'il se débrouille le mieux possible avec les forces qu'il a à l'œuvre. Donc on comprend bien que si j'utilise beaucoup des forces avec un muscle qui se contracte, je vais plutôt avoir besoin que dans ce système de contraction musculaire, j'ai un grand travail de force, d'explosivité qui va intervenir. À l'inverse, si j'utilise plutôt des appuis qui sont extrêmement dynamiques, des appuis qui sont, on appelle, réactifs dans le sol avec un corps qui est haut placé, mais il va falloir que mes tendons ils soient prêts à accepter ce stress mécanique pour garder leur élasticité. Ça veut dire que c'est non seulement la manière dont je bouge qui diffère pour aller chercher une performance, mais c'est également la manière dont je vais me préparer, le cheminement qui va m'amener à avoir l'ensemble des qualités pour réaliser le jour J ma performance. Et est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire dans tes observations, parce que ça fait très longtemps que tu travailles à ce concept et que tu observes, que les préférences motrices, donc physiques, influencent aussi le caractère d'une personne ou la personnalité? Alors oui, maintenant, enfin, on a une publication là, qu'on a soumise, je ne sais pas si elle va être acceptée, parce qu'on l'a soumise à la revue Nature, et dans laquelle on montre, aussi étrange que ça puisse paraître, qu'il y a des corrélations dans la manière dont on répond à un questionnaire de personnalité comme le test MBTI, qui est un des plus pratiqués dans l'entreprise, et puis les paramètres biomécaniques de la course. Alors, pour accepter ça, en fait, il faut partir du principe de ce qu'est un animal. Souvent, historiquement, parce qu'on dépend d'une histoire et puis d'une représentation du corps, eh bien, il y avait la représentation qui était la représentation de Descartes, dans laquelle d'un côté vous avez la tête, puis de l'autre côté vous avez le corps. Donc vous avez des psychologues, puis vous avez des biomécaniciens. Conjointement, il y a eu un long débat avec un autre philosophe qui s'appelait Spinoza, puis qui lui disait, Spinoza, mais c'est un tout. C'est comme si on regardait une même chose, mais sur différents angles. Et maintenant, est en train d'apparaître, et c'est une vraie révolution métaphysique, une vraie révolution dans les manières de se représenter le corps, que, eh bien, il y a une complète continuité entre nos manières de bouger et nos manières de penser. Mais il suffisait d'observer le monde tel qu'il est pour avoir ça à l'esprit. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce qui différencie la sphère animale de la sphère végétale. La sphère végétale, c'est ce qui ne bouge pas et qui ne centralise pas les informations. Et la sphère animale, c'est ce qui bouge et qui dispose d'un système nerveux, donc d'un cerveau. Donc si on a un cerveau, ce n'est pas pour penser, c'est bien pour bouger. Donc à partir du moment où on comprend comment on bouge, on va comprendre la base du fonctionnement de notre cerveau. Et en plein milieu, donc entre la représentation qu'on a du monde et le système de survie, eh bien, il y a ce qui nous dirige, ce qu'on appelle l'émotion. Et là, vous avez, en fait, l'idéal est d'avoir cet alignement entre les paramètres de survie que l'on peut voir dans la manière dont on s'équilibre, dont on bouge, les paramètres qui nous orientent pour trouver la bonne solution dans notre environnement. Émotion, ça veut dire ça, hein, ça veut dire ce qui me met en mouvement vers, et puis la manière dont je me représente le monde. Voilà, donc nous, on a une suite d'études qui sont à l'œuvre là-dedans, mais on n'est pas les seuls hein, maintenant, puisque la boîte de Pandore a été ouverte et qu'il y a un changement de paradigme, et donc il y a un certain nombre de publics qui montrent, par exemple, quelqu'un d'extraverti ne va pas bouger de la même manière que quelqu'un d'introverti, et ainsi de suite. Très bien, mais on peut dire que comme tu es quand même à l'origine, tu étais à l'origine de ce mouvement, tu as quand même pas mal d'expérience, et puis j'aimerais revenir là-dessus aussi. Tu travailles ou tu as travaillé, tu travailles encore, enfin toi et toute ton équipe, à la préparation physique, entre autres, de très nombreux sportifs, de tous sports différents, de très haut niveau. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, juste nous montrer un petit peu les sportifs ou les équipes sportives avec lesquelles, ou essentielles, enfin bon, essentielles, mais peut-être importantes avec qui tu travailles ou as travaillé? Donc, d'équipe de foot de Ligue 1 en
en France jusqu'à fédération. Par exemple, on a un projet jusqu'à Paris 2024 avec la Fédération française de tennis. Donc, on suit tous les meilleurs joueurs potentiels olympiques au niveau du tennis. Et sur l'ensemble des sportifs de haut niveau, parfois c'est aussi avec des artistes. Et donc, sur le panel de sportifs qu'on suit, à peu près, si je parle pour le plus haut niveau, à peu près 70 sportifs, mais de à peu près 40 sports différents. C'est le gros avantage avec ces préférences, c'est qu'on ne peut pas connaître finement tous les sports, mais le principe des préférences, c'est de s'appuyer sur l'intelligence du corps en mouvement, donc d'écouter le sportif, les contraintes de son environnement, et puis de venir sur ces contraintes, faire matcher la manière dont on voit que le sportif s'organise. Donc c'est sport individuel, sport d'équipe. Mais ça peut passer du motocross à la danse classique, en passant par le football, par le tennis. Voilà, c'est vraiment très. Je connais bien ta modestie, mais on peut quand même dire que tu travailles avec des athlètes qui font partie des meilleurs mondiaux dans leurs disciplines respectives. Oui, bah, typiquement ce matin, par exemple, on a fait une vidéo de présentation de comment on réussit à tenir puis à dépasser les blessures avec la numéro une mondiale du trail. Voilà, ben, un exemple, évidemment, avec d'excellents skieurs de niveau international ou champions suisses, enfin, avec dans tous les sports et aussi, comme tu le dis, en première division de football française. Donc, maintenant, c'est évidemment aussi, essayons de ramener ça un tout petit peu au sport business qui nous intéresse, puisqu'ici, à SMS, on forme des étudiants pour un avenir professionnel, mais toujours lié au sport. Et toi, ben évidemment, tu as un aspect du sport, mais qui touche à plein d'aspects différents. Je veux dire, ton entreprise Vododalen, c'est pas juste une préparation physique, c'est pas juste des athlètes qui viennent te voir qu'ils ont une blessure. Il y a tout un encadrement professionnel là derrière sur la communication digitale. Et toute cette période de Covid, tout ce que ça a influencé, la formation d'autres professionnels. Est-ce que tu peux nous donner un petit cadre de tout ce que tu fais professionnellement et tout ce que ça influence au niveau business? Alors, oui, nous, on a trois grands axes, comme je l'ai évoqué. Il y a l'axe coaching, il y a l'axe formation de professionnels du sport et de la santé, puis on a un axe R&D. Donc, c'est vraiment, on organise toute la société autour de ces trois axes. Donc, la R&D, par exemple, là, on va produire des algorithmes qui sont, par exemple, dans vos montres, quand vous marchez ou quand vous courez, vous allez avoir de retours d'informations sur votre manière de bouger. Donc, ça, c'est de la R&D. On le fait pour les entreprises aux États-Unis et puis entreprise en Suisse. La partie formation, c'est une partie qui est extrêmement importante pour nous parce que comme on est un des leaders mondiaux dans le domaine et puis qu'aujourd'hui les gens ils ont envie d'individualiser, ben, ça veut dire que on a pas mal de gens qui viennent se former à ça. Et puis que c'est un endroit, si on pense business, c'est un endroit où on a des marges de manœuvre. Parce que le coût initial, il n'est pas élevé. Oui, il était élevé parce que c'est les années passées à comprendre. Mais une fois qu'on a compris un certain nombre de modèles, qu'on les a protégés, puis qu'on est un peu les seuls à avoir, eh bien, ça fait qu'on a un produit, une proposition unique de vente. Donc, c'est l'endroit pour la société où le rapport, il est le plus direct. Parce qu'il y a des marges, notamment avec le digital. Il y a des marges qui font que ben, c'est surtout là-dessus qu'on vit. Ces marges, on ne peut pas les sortir du tout de la même manière parce qu'un investissement pour amener quelqu'un au meilleur niveau, ben, c'est des quantités d'heures. Et là, vous ne pouvez pas faire en sorte que cette quantité d'heures, vous ne les produisez pas au contact du sportif. Donc, il y a des endroits parfois où on va donner parce qu'il y a même une bonne partie des recherches parce qu'on est passionné de ça. On va le faire, ça va nous coûter pas mal. Il y a des endroits où on va beaucoup recevoir aujourd'hui en termes économiques. Et puis, il y a d'autres endroits où ça va être à peu près équilibré. Très bien. Oui, c'est parfait. On parlait d'un petit peu de ce qui pouvait encore, de tout ce que les préférences motrices, je reviens aux préférences motrices, de ce que ça influence au niveau, tant au niveau physique, façon de bouger, façon de se mouvoir, d'aller vers la performance et aussi au niveau de la personnalité. Mais peut-être,
Juste une ou deux précisions. On a parlé, enfin, exemples qui sont intéressants pour nos étudiants, puisqu'ils sont tous des sportifs, enfin, la majorité sont des sportifs quand même de haut niveau, passionnés par le sport. On a remarqué, ou j'ai réalisé en travaillant avec toi, que le fait qu'un joueur de tennis tienne une raquette avec une prise plus ouverte ou plus fermée, ça peut très bien avoir un rapport avec ses préférences motrices, puisque les mains sont plus ouvertes ou plus fermées, donc ça va influencer la façon de tenir la raquette. Donc tout ça, c'est des choses que même moi, en tant qu'entraîneur pendant 15 ans, 15 années passées sur le circuit professionnel à coacher des joueurs de tennis, je ne le savais pas, je n'ai jamais pensé, je me suis simplement adapté aux joueurs en voyant comment ils tenaient sa raquette, quelles étaient ses préférences, ce qui fonctionne aussi. Mais c'est quand même un exemple extrêmement intéressant pour voir, pour les entraîneurs d'aujourd'hui, pour les coachs d'aujourd'hui, c'est des outils qui peuvent leur permettre d'essayer quelque chose, des informations supplémentaires qui peuvent les aider à essayer d'adapter, trouver des solutions techniques, voire physiques quand un joueur ou un athlète a des difficultés. Est-ce que tu as d'autres exemples, d'autres sports que le tennis, où ces préférences motrices influencent directement la technique? Mais tous. Le golf, le ski, tous, c'est la manière dont tu es assis, la manière dont je suis assis, la manière dont je vais prendre un stylo. C'est-à-dire dans tous les sports, par exemple, prenons pour le golf, eh bien, vous allez voir un Dustin Johnson qui est quand même pas un mauvais, et puis quand il va passer en backswing, son centre de masse va descendre, et puis vous allez voir un Tiger Woods qui est pas un mauvais non plus, qui va utiliser plutôt un système de rebond, et donc lequel on va imiter. Et donc, il y a une double incidence derrière cette découverte. La première incidence, c'est le sportif dans son environnement. De quelle manière j'établis le meilleur de moi-même? Et que ce n'est pas forcément en imitant le meilleur du jour que je vais réaliser mes propres performances. Pourquoi? Parce que nos besoins ne sont pas les mêmes. Et la deuxième incidence pour quelqu'un de l'entourage du sportif, quand on parlait d'intervention avec les clubs de foot, eh bien, les clubs de foot se disent toujours qu'on va intervenir pour venir optimiser, par exemple, la prépa physique et puis le lien avec le technique. Le technique dans le foot, un aérien, quelqu'un qui rebondit, puisque c'est des muscles qui sont à l'arrière puis sur l'extérieur, c'est quelqu'un qui va plus facilement, peut-être 8 fois sur 10, passer l'adversaire en faisant un crochet extérieur, alors qu'un terrien va plutôt faire un crochet intérieur. Et donc voilà, ça c'est le lien avec la technique, le lien avec le physique, on l'a évoqué, mais on arrive à une troisième dimension qui est encore beaucoup plus puissante. C'est puisqu'il y a des liens entre nos manières de bouger et nos manières de nous situer dans le monde. Et on se rend compte que chaque fois qu'on intervient dans une équipe qui, au départ, est orientée vis-à-vis du sportif, mais très très vite, on se rend compte que si on ne se fit pas soi-même à l'intérieur de l'équipe, c'est-à-dire si on ne comprend pas nos propres manières de nous situer, eh bien, comment on va pouvoir proposer au sportif lui-même quelque chose qu'on n'est pas capable de faire au sein même de notre équipe technique? Donc, très, très vite, en quelques semaines, on se rend compte que ce que l'on souhaite faire avec le joueur, il y a une nécessité impérieuse de le faire avec l'équipe. Parce que comment dire à une équipe de jouer ensemble en se passant la balle si finalement, entre nous, équipe technique, on n'est pas capable de jouer ensemble parce que nos besoins émotionnels ne sont pas les mêmes, qu'on ne sait pas échanger, qu'on... Et là, la partie business a une extrême importance. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nourrit, c'est l'énergie du système. S'il n'y a pas d'argent, d'une manière ou d'une autre, il n'y a rien qui va se passer. Et donc, nous, autour d'une table, très souvent, on se retrouve dans un club de foot, par exemple, à 20, 25 personnes. Et plus on peut avoir les responsables du business, l'équipe à la fois éco, mais aussi quelqu'un qui représente le management, eh bien, plus c'est fluide. Parce qu'on va pouvoir faire en sorte que nos intérêts réciproques, chacun peut dire sa manière de fonctionner, puis on peut trouver quel est le fonctionnement d'équipe. Je redonne un autre exemple concret, vraiment très net. Ce samedi, j'ai vu un joueur qui est venu ici, niveau mondial en tennis. Et puis, il a deux coachs. Et puis, les deux coachs sont venus. Et puis, un des deux coachs, il vient d'être... il habite au Luxembourg, bon, pas plus loin. Et puis, il vient d'être contacté par une boîte de management. C'est bien une boîte de management qui a déjà sous ses ailes plusieurs joueurs du niveau mondial. Donc là, on parle, lui, l'entraîneur, il en a deux dans le top 30 mondial. Mais ils les ont déjà aussi les jeunes, les juniors, parmi les meilleurs juniors au monde. Et donc, on voit bien que c'est
Et cette boîte de management, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Elle vient chercher les techniciens et elle dit à ces techniciens, s'il te plaît, monte-moi une équipe technique qui tient la route avec à la fois le coach, avec à la fois le nutritionniste, avec à la fois le prépa physique, avec à la fois le psychologue. Et donc, on va créer une équipe complète pour venir accompagner le joueur tout au long de sa carrière. C'est-à-dire que, et on voit que les initiateurs, c'est les gens du business. Parce qu'ils se disent, t'as quelque chose qui est précieux, plus tu vas pouvoir polir ton diamant, et pour ça, tu as besoin de l'ensemble des métiers, et bien plus tu vas gagner ton argent, puis tu vas faire ce que tu veux. D'où l'importance aussi pour un manager, hein, pour quelqu'un qui vient, comme tu dis, du business, d'avoir cette compréhension de la complexité d'une carrière d'un athlète. Qui a hein, être conscient que ce sera, il faudra trouver un coach, un entraîneur qui soit bien adapté, hein, qui est compatibilité, un préparateur physique qui est compatibilité, et que l'accompagnement, là, le kiné, le physio, tout l'entourage soit compatible, parce que sinon ça ne marchera pas. Il y a une telle concurrence que si tout ne joue pas, ça va être très très compliqué. Alors, on pourrait parler de ça extrêmement longtemps, parce que le sujet est tellement vaste, surtout nous deux, on a déjà eu de longues discussions là-dessus et on pourrait s'éterniser. On va essayer de passer encore sur un autre sujet. Enfin, je reviens juste sur ses préférences motrices. Tu as donné cet exemple dans le golf de Tiger Woods ou de Dustin Johnson. Donc Dustin Johnson, qui est numéro un mondial, qui est un terrien, Tiger Woods, qui était pendant très très longtemps, peut-être le meilleur joueur de tous les temps, qui est un aérien, deux corps, deux façons de fonctionner diamétralement opposées, et pourtant les deux numéro un mondiaux, ils ont été les meilleurs joueurs du monde. Alors, c'est là qu'on a l'importance du coach, de la compréhension d'un coach qui va dire, OK, celui-là, je ne peux pas l'entraîner comme j'entraîne l'autre. Il faut qu'il comprenne qu'il y a deux façons de fonctionner. Ce n'est pas parce que Tiger Woods swing le club comme ça que Dustin Johnson doit signer, que tout le monde doit swinger le club de la même façon. Et que ce soit dans le golf, dans le tennis, dans le foot, dans n'importe quel sport, c'est essentiel pour un préparateur physique et un coach de comprendre cette différence. Oui, et que bien comprendre comme on est un changement de manière d'intervenir, de se connecter, il y a aussi un changement de pédagogie qui va avec aujourd'hui. Vous ne pouvez plus enfiler à un sportif qu'il faut qu'il fasse comme un autre, c'est terminé cette histoire. Chacun a conscience du fait d'avoir un schéma individuel. On a des générations qui étaient d'abord dépendantes, qui sont devenues indépendantes, c'était nos générations, et qui maintenant sont interdépendantes. Donc nous, le premier contact avec un sportif, c'est on le laisse parler. Alors que la génération d'avant, on avait tendance à dire, tu sais quoi, moi j'ai sorti tellement de bons sportifs, je vais t'expliquer comment tu vas jouer. Ils ne veulent plus ça. Et donc, on a plus on se connaît, moins on a besoin de projeter, de se projeter soi-même sur l'autre en expliquant que ce qui était bon pour moi était bon pour l'autre. Ce n'est pas facile à faire, mais c'est un des grands axes connaissance et préférence. On va connaître ses préférences à la fois dans le système d'émotion, dans le système de cognition et puis dans la manière de bouger. Et on commence à voir que l'autre n'est pas moi. Donc, on peut venir se connecter à son propre besoin et ne pas exprimer le mien en tant que coach. J'aimerais juste donner encore un exemple parce qu'on en avait parlé une fois. Évidemment, donc, il y a les aériens, il y a les terriens, il y a les associés, les dissociés, il y a les axiaux, les radios d'ailleurs, sur axial, radial. C'est pour expliquer un petit peu à quel point c'est vaste, à quel point ces préférences motrices influencent la façon de fonctionner. Pour prendre un sport que presque tout le monde connaît, le football, si tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais on en avait parlé, c'est ce que tu m'avais expliqué une fois. Un Cristiano Ronaldo est un axial qui va vers l'avant, alors qu'un Messi, c'est plutôt un radial qui vient par le côté. Et ça se voit énormément dans leur façon de jouer. Cristiano Ronaldo, quand il va au but, il va droit et il tire comme ça. Alors qu'un Messi, il vient toujours depuis le côté, comme ça, et tous ses tirs, ils sont enroulés. Parce que c'est une préférence motrice, c'est une façon de fonctionner qui n'a rien à voir avec terrien et rien, mais qui fait partie des préférences motrices que tu distingues, hein, qui influencent de nouveau la façon de fonctionner d'un athlète. Exactement, qui va donner sur le même fonctionnement, qui va donner des services au tennis avec reprise d'appui ou pas de reprise d'appui,
Ça va donner des gens qui, quand ils vont être sur le vélo, vont être plus larges, qui vont courir avec les coudes plus larges ou les coudes plus proches, qui ne vont pas supporter d'être au milieu du peloton, qui vont préférer être de côté ou qui vont accepter d'être au milieu du peloton. Donc, à chaque fois, des besoins qui sont inconscients. En fait, on se rend compte qu'on se pensait très puissant avec notre conscience et que la plupart des déterminants qui nous amènent à agir, à penser et puis à sentir, eh bien, c'est des déterminants auxquels on est absent. Comme si la liberté, c'était vraiment une conquête qu'on avait à réaliser, et que cette conquête, on est au tout début de cette histoire. Alors, ce que je trouve extrêmement intéressant, maintenant qu'on a fait un tout petit peu le tour de ce que ça veut dire et des influences et des conséquences que ça peut avoir sur la façon de fonctionner de quelqu'un, de chaque individu, non seulement physiquement, mais aussi au niveau de la personnalité et au niveau du caractère. Tu sais que dans le cadre de SMS, dans les formations qu'on fait, je trouverais extrêmement intéressant que les étudiants, que chaque étudiant puisse avoir une petite idée de sa façon de fonctionner. Est-ce qu'il est terrien, aérien, associé, dissocié, enfin, ce qui est important, ce qui peut influencer sa personnalité, quel genre de sportif est-ce qu'il était, est-ce que sa carrière a été, entre guillemets, gérée juste ou non, et puis surtout, quelle influence ça peut avoir sur sa façon de fonctionner et sa vie professionnelle. Et évidemment, la personne la mieux placée au monde pour nous aider à faire ça, eh bien, c'est toi. Et ce serait merveilleux si tu acceptais de travailler un petit peu avec nous dans le cadre de ces formations pour venir donner, intervenir de temps en temps et aider nos étudiants à faire un petit peu leur profil, évidemment pas un profil approfondi, mais un profil général pour qu'ils aient une petite idée de quel genre d'athlète ou de quel genre de personne et aussi intellectuellement et dans la caractère ils sont. Est-ce que tu es partant pour faire ça avec nous? Alors, je ne sais pas si je suis le meilleur au monde pour le faire, mais oui, je suis partant avec plaisir pour pouvoir... Le meilleur, je le dis, mais ça, c'est vraiment très, très important et je trouverais ça vraiment super. En tout cas, je me réjouis énormément. Très bien, Cyril, merci infiniment pour cette discussion. C'était extrêmement intéressant, comme toujours. Et puis, j'espère que tu vas bientôt venir nous rendre visite chez SMS et qu'on aura le plaisir de collaborer pendant de longues années. En tout cas, merci, tout de bon et à très bientôt. Merci François et à tout bientôt.